Bonjour, alors tout d'abord, une petite pensée pour Notre-Dame de Paris, qui a pas mal brûlé hier, c'est assez important. Sinon, alors qu'on offre aujourd'hui dans les 12 communes, il y avait des trop mignonnes petites filles. C'est vrai qu'elles étaient trop mignonnes. Vous étiez donc Maxence, toujours notre bonhomme, qui derrière lui a une trop mignonne grande fille. Alors, sa première question était une date de qu'est-ce qu'il pourrait être de travail à ses instants de c'était un but. Le professeur, je peux pas vous dire, mais Oscar Rémy de BFF, et bien ce qu'il y a de l'auteur dans le MFTF, d'où le t-shirt de l'MFTF, dans la revue de télévision du CIC. Ensuite, vous aviez de l'homme de Jérémy Dalmas, et bien le joueur de Jérémy, et bien c'est pas dans le Jérémy Dalmina. Voilà, donc Jérémy, vous avez pris cette page, vous en avez pu voir, vous avez mis là, vous avez des tatouages aussi sur le but d'Adam. Donc, sa question a été de Jérémy, quel animal est le numéro d'une chanson pour enfants qui compte près de 2 milliards de vues sur YouTube, etc. Et bien, le dominant à la chanson. Après, vous avez eu le nom du phénomène de la matinée, donc c'était un joueur de la alors, elle a une particularité, c'est de teindre la queue de son chien de la même couleur que ses cheveux. Donc là, en ce moment, son chien doit avoir un sentiment. Sa chienne doit avoir la queue de son chien. Donc voilà, donc ça a bien fait rire les gens dans le public. Donc, c'est vrai qu'elle était assez sympathique, Lisa. Donc, dans l'émission 2019, qu'est-ce qui est le nombre de l'offre? Parce que le nombre de l'offre est tombé. Ensuite, Annette a eu ses questions. Qu'est-ce qui a causé la destruction de plus d'un million de rubis dans un distributeur de billets? Eh bien, c'est à cause de l'Odera. Après, ça a été le duel. Là, ils ont fait fort au niveau des jeux de mots. Donc, c'était un festival à l'équipe. Le t-shirt constamment là, moi je l'ai fait la deuxième, voilà. Le premier jeu n'était pas très intéressant, par contre le deuxième n'était pas évident, mais par contre on s'en sort, on l'a trouvé. Qu'est-ce qui, comme son nom l'indique, c'était la biscotte, puisque le mot bis dedans, je l'ai pensé donc vraiment à Maxence. Ensuite, eh bien, un coup fatal, bon, ben, Maxence face à Bizarre, eh bien c'est encore Maxence qui a gagné, donc bravo encore à lui. On a pu voir les sélections, et dans les sélections, on a pu voir que Benoît était inclus. Par contre, Tata Véro est toujours pas. Voilà, donc...